Ce n'était pas la peine d'avoir peur. Le Paris Saint-Germain s'est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions en battant Chelsea 2-1, deux fois 2-1, une fois au Parc des Princes, une fois à Stamford Bridge. Derrière moi, temple désœuvré pour les Londoniens. Bah, qu'est-ce qui a fait la différence? Henri Di Maria et Zlatan Ibrahimovic, les grands matchs appartiennent aux grands joueurs. Et là, on a vu deux très grands joueurs de classe mondiale, avec Di Maria impliqué sur le premier but, passe décisive de Ibrahimovic pour Rabiot, et sur le deuxième but, passe décisive de Di Maria pour but de Zlatan de près. Voilà, il faudrait qu'il maintienne ce niveau-là en quart de finale. Il faudrait aussi que le Paris Saint-Germain évite Barcelone, parce qu'il a tendance à rencontrer un peu les mêmes adversaires. Après Chelsea, on a peur de tomber sur Barcelone, qui certes n'est pas encore qualifié, mais qui a gagné 2-0 contre Arsenal. Donc c'est quand même bien parti. En attendant, le PSG sauve un peu le football français. Il le sauve dans son image, il le sauve pour l'intérêt d'un club encore qualifié en Coupe d'Europe, ce qui maintient quand même une forme de suspense et de curiosité. Et puis il le sauve aussi l'indice UEFA. Franchement, parfois on passe des mauvaises soirées ou des soirées un peu moyennes. Là, c'était une belle soirée mercredi à Stamford Bridge.